Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve pour un wiki vlog, je sais pas comment dire, un week vlog, genre en gros, je vais vous vlogger toute ma semaine. Là on est lundi, il est 9h, je dois aller dans le bureau commencer à travailler, mais avant, là je suis dans la chambre à mes frères. Je regarde pas mes vidéos donc ils vont jamais capter que je suis rentrée dans leur chambre. Je prends le plaid à mon frère. J'aime trop son plaid, parce qu'il te réchauffe en fait. Ma journée, elle peut commencer que comme ça. Ah, j'adore! Allez, venez. Je vais bien me faire un petit chocolat chaud avant de commencer à travailler. Non, je le fais après. Bon, je vous raconte ce que je fais. Là, il y a mon ordi. Okay. J'ai une commande à traiter. 5 box de Noël. Du coup, je dois faire le design des 5 box. Il y a 5 prénoms. Alhamdoulilah! Ok, du coup, il y a 5 prénoms, 5 box. Bah, on va faire ça. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai 5 box à faire. Sheila, Mélissa, Christelle, Petit, je sais pas. Et en bas, il y a encore un prénom, je sais pas c'est quoi. Bref. Du coup, j'ai fini de faire les 5 designs. Enfin, c'est les 5 mêmes. Et là, du coup, il faut imprimer. Après, il y a la partie manuelle. C'est pas moi, je m'en occupe, c'est ma mère. Bon, ma partie, elle est faite. Du coup, je vais faire mon chocolat chaud. Regardez, ma mère, elle a acheté un air fryer. Il est cool, hein. Faudrait que je trouve des recettes à faire. Elle a fait du poulet. Ma mère, elle aime trop les machines. Il y a trop de bruit. Ça, c'est mon verre. Le lait à plat et le chocolat. Le Nesquik, dédicace à toi, Inès. Par contre, je sais pas si je chauffe au micro-ondes comme une flemmarde ou si je chauffe au gaz. On va faire au gaz. Du coup, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai mis le lait là pour avoir la dose exacte. Je mets dans la casserole et ça va chauffer. Je vais vous raconter une petite histoire le temps que ça chauffe. Alors, la dernière fois, ma mère, elle m'a fait à manger. Enfin, elle nous a fait à manger et tout. Savoir que moi je déteste le fromage de chèvre, vous savez les gros fromages, les fromages pas bons, je parle pas des fromages de raclette, les fromages genre kiri, capter les fromages basiques doux, ça j'aime trop, mais les big fromages cœur de lion, reblochon, beurre, les fromages il y a du moisi, du bleu, beurre, bref, moi j'aime le seul fromage, l'exception. J'ai jamais compris, pourtant Askip c'est du fromage de chèvre, mais je refuse d'y croire parce que le goût du chèvre c'est pas bon, j'ai déjà goûté, mais bon, dans le caprice de Dieu c'est pas pareil. Bah du coup c'est le caprice de Dieu, c'est le seul fromage que je peux supporter. Non pas que je peux supporter, c'est que je kiffe, il est trop bon. Ça n'a même pas 4-5 jours, ma mère elle nous a fait une salade et elle a mis du fromage à côté. Je savais que c'était pas du caprice de Dieu parce que je l'avais pas vu dans le frigo. Je me suis dit maman, d'habitude je mange pas. Là je me suis dit vas-y je mange. C'était trop bon, j'étais choquée. Et c'est ça. C'est le carré. C'est un fromage de chez Lidl. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mon lait. Moi, j'ai cette petite pinceur parce qu'en fait, dans le lait, des fois, il y a des... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des... Il y a des trucs trop bizarres. Ah, ah, ah. Oh, putain. Bon, ça l'a pas fait, mais des fois, il y a un film dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. Comme ça, avec ça, je suis sûre de pas en avoir. Par contre, j'en ai mis de partout, là. Une, non. Deux, non. Trois, non. Quatre, peut-être. Cinq, oui. Regardez, c'est un peu blanc, là, hein. Non. Mais c'est tarpin blanc. Ah ! J'ai mis notre cuillère, mais en fait, elles sont toutes petites. Bref, allez. Bonne journée. Moi j'aime pas mes cheveux, ça se voit qu'ils commencent à devenir gras, je peux pas me les voir. Je vais les laver demain soir. Parce qu'en fait j'ai pas envie de casser mon planning de lavage de cheveux. Là normalement si j'écoute mes cheveux, je les lave ce soir. Mais non, je les lave demain soir. Là je me suis habillée et on va aller chez le dentiste. Bah, par contre j'ai 20%, je sais même pas si je pourrais vlogger au dentiste, mais bon. Je vous fais mon outfit. Un haut de chez Shein, un pantalon Zara. Des baskets à sauce. Et mon sac Shein. Voilà. À l'hôpital. Enfin, à l'hôpital.
Mon orthodontiste, il est là. Du coup, j'ai deux rendez-vous, 14h15. Une pour une radio de mes dents, ils veulent revérifier mes dents. Et un deuxième rendez-vous, bah, logiquement, normalement, c'est pour changer mes élastiques et resserrer mes bagues. Hier, ils m'ont fait une radio en 2 minutes chrono. Là, je dois descendre au 4e étage. Bah, pour qu'ils voient ma radio, je sais pas ce qu'ils vont faire. Normalement, ils me changent les bagues et les élastiques comme d'hab, quoi, tous les mois. Elle m'a dit déjà d'enlever mon collier. Du coup, j'ai enlevé mon collier, il faut que je le remette. Et elle m'a dit, genre, je devais croquer dans un truc. Et elle m'a dit, tu croques dessus et tu bouges plus. Et moi, j'avais un peu de salive, je sentais que ça allait commencer à tomber. La radio, elle tourne autour de moi. Et moi, je fais. Ça va, ça a rien fait du tout, mais ça m'a stressé. Moi, quand tu me dis de pas bouger, ben, je sais pas, mon corps, il a envie de bouger. Quand tu vas chez le dentiste, tu vois ça. Mais je sais jamais ça sert à quoi. Faut qu'on mette les pieds. Y'a rien qui sort. Bon, ça marche pas, on va faire avec ça. Y'a rien. C'est pas professionnel. Sortir du dentiste. J'ai changé les élastiques. Ils sont violets. Vous voyez ce côté-là, là ? Là, les dents, elles sont droites, c'est mon côté préféré. Là, c'est pas droit. En fait, les dents, elles sont en rotation. Du coup, elle m'a cassé toutes les bagues de là. Elle les a recollées pour faire en sorte qu'elles deviennent comme là. Parce que là, elles sont pas droites. Et là, elles sont droites. Et en fait, ça, ça va devenir là. Parce que là, c'est super moche. C'est en rotation. Les dents, elles sont rentrées. Du coup, j'ai trop hâte de voir. J'aurai enfin un sourire normal. Là, regardez, elle m'a noté un rendez-vous dans un papier. Faut que j'aille à l'accueil prendre rendez-vous pour ma dent d'envoi. Parce que vous savez que j'ai une agénésie. C'est une dent qui ne va jamais pousser. C'est génétique. Je l'ai pris de ma grand-mère. Et du coup, je dois aller à l'accueil là prendre rendez-vous pour commencer à voir un peu comment ça va se passer en bas pour la prothèse. Enfin, même pas comment ça va, ils ont déjà commencé à voir. C'est justement pour prendre rendez-vous. Et bref, vous avez capté. Bonjour. Du coup, je disais, j'ai 7%, je vais vous laisser, je vous reprends à la maison demain, je sais pas. Salut, on est mardi. Il est midi. Je dois emballer un colis. Je travaille avec ma mère là. Bon les gars, là je me suis habillée, je suis chez ma copine, du coup tourner la fameuse vidéo story time de mon ou ma prof la folle, la grosse loca, la folle, la tarée, la dingue. Et j'ai un colis à envoyer aussi à Leclerc pour Mondial Relais. Du coup voilà, oula, mon sac il est mal mis. Il fait nuit. Il fait nuit. Du coup pour la story time avec ma copine, on s'est dit chacune dans son téléphone, elle prépare une note. Pour pas qu'on se perde dans la story time. Pour pas oublier tous les détails de ce qu'elle nous a fait. Puisque un an, c'est beaucoup. Et je peux vous dire qu'elle nous en a fait des choses. MDR. J'espère qu'elle, elle a fait la note. Parce que moi, j'ai rien fait. Je vais la faire là, dans le trajet, dans le tram. Ça va être rapide en vrai. Et puis voilà. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. C'était une folle. Voilà. Ou un fou. Moi je suis pas flag, en fait ça va très bien, c'est une meuf ou un mec. Hein. De toute façon, tant que je dis pas son prénom ni rien du tout, j'ai quand même 18 ans et j'ai eu 15 000 profs dans ma vie. Genre, si elle se sent visée, c'est que elle sait. Elle est consciente de ce qu'elle a fait. Ah là là. La clause de confidentialité. Franchement, j'oublie que j'ai fait des vlogs en fait. Ma copine me l'a fait rappeler. Après, elle a le visage à l'endroit. Non, pas à l'endroit. Ah oui, là, l'endroit, elle est pas à l'envers. Ouais, voilà, c'est voilà. Ça que je voulais dire. Ok. Coucou ! On va faire la story time avec elle. Voilà. Regardez, elle nous prépare le thé. Ah, suffit. Ah, c'est longue. C'est trop une femme capable. Voilà. Et là, c'est quoi ? C'est quand la dernière fois que t'as filmé ? Genre là, elle est entre toi et moi ? Non, quand j'étais dans l'ascenseur chez moi. Ah, ça va ? Non, ça va. J'ai cru que t'allais me dire ça fait 2 jours. Non. Mais j'ai pas trop vlogué aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est une semaine entière, donc tranquille. Ouais, tu vas montrer le côté alternance, le côté école. Je montre, ouais, vite fait. C'est bien. Mmh. Mmh. Tu sais que la.
Bon, on a fini de tourner le story time. Tu vlogs sur Snap? Oui, je vlog sur Snap parce que j'ai pas de stockage. D'accord. Et regardez, ça c'est notre setup. Bien ghetto. Voilà, on a bien raconté tout ce qu'on avait à raconter. La story time, normalement, elle sort après le wiki vlog. Mm-hmm. Donc, ouais, voilà. Soyez branchés. Je viens de rentrer là, je crois il est 9h. Je vais me mettre en pyjama. J'ai vu ma mère, elle a fait un truc trop bon à manger, je vais aller voir. Ouais, tu veux une barrette? Non. Oh, elle est dorée en plus. On va voir ce qu'elle a fait à manger, franchement. Elle est dorée. Ça a l'air bon. Ça m'a l'air succulent. C'est la meuf qui a faim. Elle a fait des feuilletés, mais je sais pas c'est à quoi. Je crois que c'est à la viande hachée. On va voir. Et du riz. Ah, mais c'est Rogerbe ça. C'est du riz djerbien. C'est du riz tunisien. Qui vient de la ville de Djerba. Tout simplement, je crois. Voilà, moi je vous laisse, je vous reprends demain. Je vais voir ma petite vie, me mettre en pyjama. Pas attention à ma tête, je ressemble à rien. Je devais aller me laver les cheveux. Je me suis dit, une fois que je me lave les cheveux, je vous vlog. Mais bon, vous êtes la famille. Je vais aller les laver là, dans même pas une heure. Juste, ma mère, elle reçoit grave des commandes depuis tout à l'heure, c'est perturbant. Et en fait, il y a tout qui est parti en rupture de stock. Rupture de stock, mon bureau il est rempli de commandes. Et du coup je vois que j'ai du taf. Je pourrais me laver les cheveux que après là, à ma pause. Du coup aujourd'hui on est mercredi. J'ai quoi prévu aujourd'hui? Ben je travaille avec ma mère jusqu'à 17h. Et ce soir j'ai le concert de... J'ai le concert de Neige. Je suis trop contente. Vous savez que la seule fois de ma vie où je suis partie voir un concert de ma vie, c'était... Devinez qui c'était. Devinez. Rien qu'avec la couleur de mon t-shirt. Violetta. J'étais une big fan de Violetta. Et elle était venue à Nice en 2014, un truc comme ça, au Palais Nikaya. Et ben, j'étais partie la voir. Je l'ai vue. Sachez que j'ai le palmarès d'avoir vu Violetta. J'ai vu Léon. J'ai pas vu Francesca parce que je me rappelle qu'elle était pas venue parce qu'elle était malade. Mais j'ai vu tous les autres. Je sais pas si j'avais vu Diego. J'en ai pas le souvenir mais il me semble qu'il était là. Faudrait que je vois dans les archives parce que j'ai des souvenirs sur Facebook. Mais bon bref du coup. Maintenant on va avoir Neige. Oui je ressemble à rien. Je ressemble à une choucaroulée. Je sais. Mon shampoing, moi c'est Rose B, c'est sans sulfate, c'est pour les lissages. Avec le masque, le meilleur masque au monde. Ma fleur de douche, mon gel douche et ma brosse pour me démêler les cheveux. Ça c'est ma tête à chaque fois que je sors de la douche, je ressemble tellement à rien. Mais bon, au moins je suis propre. Faut vite que j'aille mettre de la crème parce que je sens que je vais commencer à prendre cher si je ne mets pas de crème de suite. Parce qu'on ne voit pas, mais ça va commencer à me faire des craquelures, des pelures, des tiraillements. Je sens déjà les tiraillements. Oh là là. Est-ce que vous voyez les pelures? Si vous ne voyez pas, tant mieux pour vous, mais... Oh, mais oh là 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 là. La pipette, je sais qu'il ne faut pas la mettre direct sur le visage, mais bon, moi, je fais ce que je veux, d'accord? Ça, c'est trop bien, j'en ai presque plus. C'est le nouveau en rose. Pour les peaux sèches, il est parfait parce qu'il t'apaise la peau et il t'enlève tous tes tiraillements et il t'aide à enlever les pelures et les craquelements, les tout ça là, vous avez compris. Bon, je vais en mettre un peu plus là. Il faut que ma peau, elle boit. Du coup, je vais blinder la crème. Bon, ma mère, elle est rentrée vite fait tout à l'heure à la maison. Elle a ramené des viennoiseries. Bon, il est presque 13h, j'ai toujours pas mangé. Bon appétit. Du coup, je vous reprends, je suis prête et on va au concert de Neige. Bon, du coup, on est arrivé. Il y a une queue énorme, mais franchement, ça va grave vite. Regardez. Non, là, franchement, pas. Regardez, ça, c'est toute la queue. Après ça va genre jusqu'à là-bas, mais ça va. Ça va être, ça va être rapide. On est rentré, on a fait la queue. On s'est fait palper. Ouais, on s'est fait palper, mais par une fille qu'on connaît, donc ça va. Et regardez, il y a tout ça encore. Et il y a encore l'autre côté.
et on est là, Palais Nicaïa. Il y a combien d'entrées depuis ici? Il y en a plusieurs. Là, on est devant le... Comment ça s'appelle? Devant pour acheter à manger. Pour acheter à manger, je savais pas qu'on pouvait manger à un concert. Quoi? Regardez, il y a des hot dogs et tout. Ouais, je veux bien. Moi, je vais me frapper Nutella, ouais. Elle se fait sortir. Yasmine, elle s'est fait reconnaître. Oui, j'ai vu des abonnés, c'était super mignon. Donc on a pris des maquillages et on a pris du sushi. Par contre, on n'a pas compris, ils nous ont enlevé les bouchons. C'est pas très intelligent, mais voilà. On nous cherche. On s'attarde. Il est 20h50, Cyrine Elvé, elle a fini de chanter et là on attend Neige, mais pour l'instant elle est toujours pas là. Regardez, il y a Inès. On l'attend, c'est pour qu'on se folle. On se folle, il est 20h50, à 21h normalement elle vient. Voilà. On va crier. Et demain, j'ai objectif pour aller en cours avec la voix cassée. Là, je me suis mis par terre, parce qu'elle met 15 ans à venir. Attends, ça fait bien qu'on attend. La seule femme. Vous savez, vous, ce qui va se passer? Eh bien, alors, je vais vous le dire. Dans un premier temps, nous allons chanter ensemble. Danser. Ouais. Malheureusement, on va aussi pleurer. Je vais partir, même avec mon écho, je veux te le dire. C'était super. J'avais comme objectif de me casser la voix, j'ai pas réussi. On verra peut-être demain avant d'aller en cours. Voilà. On est dans le tram parce qu'on s'est garé un peu plus loin et après on est venu en tram. J'espère que demain quand je vais me lever, je vais avoir la voix cassée. Comme ça demain je vais en cours avec la voix cassée. Je suis par terre parce que j'ai mal aux jambes en fait. J'ai trop mal aujourd'hui. J'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Quand tu sens qu'il fait froid. Et c'est comme ça, il faut faire attention parce que c'est comme ça que vous tombez malade. Ouais, c'est vrai. Donc il faut faire très attention. C'est ça qu'il faut toujours boire avant. Ah ouais, boire? Toujours, ouais. Ah, j'ai soif. Boire avant. Moi aussi j'ai la pâteuse. Ouais, on a la pâteuse. Il est 23h30. Le temps que je rentre, que je me démaquille, je me mette en pyjama, que je mange, que je prépare mes affaires pour demain. Que je poste mes snaps sur Snap. Il sera 1h du mat. Je vais avoir 5 heures de réveil dans le sang parce que je dois me lever à 6h. Je suis KO, je vous laisse. Je vous retrouve demain en cours. Salut les filles. Je vais en cours. Je me suis habillée. Je me suis jamais aussi mal maquillée de ma vie, ce que je suis en train de dire en story en fait. Mon maquillage, il est éclaté. En plus là, vous voyez tout. Sur Snap, j'avais mis un filtre. Je suis arrivée à l'école, là. Je suis en train de me prendre un café. Regardez. Hello. Bon, regarde, je vlog aujourd'hui. J'ai pris mon café noisette. T'as vu qu'on finit à 15h15? Pourquoi? Je sais pas, dans l'emploi du temps, il y a tout qu'on finit à 15h15. Regarde, nous, on est comme jeudi... Comme B1, là il y a un trou. On finit à 15h15. Bon, du coup, je suis en cours et la prof a décidé de ne pas être là. Donc pendant 4 heures, on est en visio. Donc voilà. 4 heures de visio avec toute la classe. Je sais pas comment on va faire. Je vlog sur Snap en plus. On a 4 heures de Photoshop en visio. Allez comprendre, je comprends pas. On va prendre l'ordi.
Alors, je vais vous expliquer, on est en cours de Photoshop et en fait, on m'a pris en photo pour qu'après je Photoshop ma tête. Et regardez, dans le lien Drive, regardez ma tête, on a dû faire des grimaces et tout. Hilarant. Et du coup, là, je vais retoucher ma tête et je vais vous montrer. Regardez. Mes fans. C'est la ref, non? Oui, c'est oui. Elle dit. Mais elle dit, ouais, mes fans. Vous, elle mes... rock sur mes fans. Voilà, c'est ça. Elle rock sur mes rêve. Fans. Quelle est la ref? Vous venez de regarder la bienvenue sur... Quelle rock devant vous? Devant mes fans. Du coup, je comprenais pas un exercice Photoshop. Sarah m'a aidée. Et regardez ce que j'ai fait, c'est hilarant, c'est ma tête. Et en fait, je dois modifier des parties de mon corps, par exemple la bouche. Je dois prendre la bouche de quelqu'un d'autre de ma classe, les yeux, le nez et tout. Là, pour l'instant, j'ai changé la bouche. Regardez, c'est rigolé. Regardez, ça c'est la langue de Sarah. Après, bon, il y a des tours à faire, puisque regardez la différence de couleur de peau. Mais c'est trop bien. Le mien, ça va être le plus beau. La pause de midi, je suis chez ma cousine, je vais manger chez ma cousine. Mais je sais pas, elle habite au combien. Je viens de ressortir chez ma cousine, j'ai enlevé mon pull blanc. J'avais trop chaud, je l'ai laissé à ma mère parce qu'elle est restée chez ma cousine. Et là, je repars en cours. Il est 22, on reprend à 30. Tranquille. Ma cousine, elle habite à côté de mon école, genre vraiment. Fini les cours. J'ai de la musique dans les oreilles. Donc je sais même pas si c'est cohérent ce que je dis. Bref, je rentre à la maison. Je vous reprends là-bas. Bon, je viens de rentrer chez moi là. Je me suis mis en pyjama. Je suis comme d'hab dans ma chambre. Parce que j'adore ma chambre en fait. Là, j'ai des devoirs à rendre pour demain. Faut que j'aide ma soeur pour ses devoirs là. Ma mère elle a fait des lasagnes à manger ce soir, je suis trop contente. Regardez mon collier. C'est un petit Y comme Yasmine la star. On fait les devoirs? Allez. Je suis dans ma salle de bain, posez pas de questions. Aujourd'hui je suis pas là en cours. Je me force pas dans la vie, je suis fatiguée, j'y vais pas. 90% des absences des étudiants, c'est jamais justifiable aux yeux des écoles, etc. Donc bon, écoutez, que voulez-vous que je vous fasse? Aujourd'hui, je reste à la maison. Attendez, la télé, elle est énorme. Regardez. Franchement, dans son lit, je me mets bien. Je regarde Fast and Furious. Je vais fermer les volets. Oh là là, comment je n'y ai pas pensé. Bon, dernière minute, je vais chez ma cousine. On va aller rester un peu avec elle. Donc, on va chez Donia et j'y vais avec Inès. Les vrais retiennent les prénoms. Du coup, regardez, j'ai volé le jogging à Ryan. J'ai gardé mon pyjama, j'ai mis une veste parce que je sens qu'on va rentrer vers 18h. Et à 18h, il fait très froid. J'ai une envie de Monster Munch, mais une envie Monster Munch au ketchup ou des Lay's barbecue. Après, quand je rentre, je vais à Leclerc, je vais en acheter. Puisque vu qu'après, c'est le week-end, là. D'ailleurs, je vlog pas le week-end, hein. Je vlog de lundi à vendredi, quoi. Je vois Inès au loin, là. On a raté le tram. Hein. Regardez, moi et ma cousine, on est jumelles. On a la même veste. Et en bas, elle est en pyjama, ouais, comme... Si ça c'est pas ma cousine, c'est personne d'autre. On a le même flow. Ah, okay. Un cappuccino. Cappuccino, Prala. Prala, ah, merci. Caramel, mama. On est bien reçu chez la cousine. Hein. On a cherché tout à l'heure, on est deux. C'est du poulet. Ouais. Regardez, hein, et toi? Bah, on rentre chez nos mères, on a une maison, non? Je suis avec Yasmine et Donia et Amir. T'es où là? Non, mais t'es un crevard toi. Il a dit quoi? À ton avis. J'ai pas d'essence. Ah, il y a à manger. T'es où là? T'es à Cap? Vas-y, ciao.
Au moins, tu nous déposes chez nos mères, ciao. Je viens de rentrer chez moi, je suis partie à Leclerc, j'ai acheté des chips. Vu qu'on est vendredi, j'ai envie de me mettre chill ce soir et continuer Fast and Furious. Et j'ai acheté du pain. Mon père, il m'a appelé, il m'a dit, tu rentres quand? Et après, il m'a dit, achète du pain. Du coup, j'ai acheté du peeling. Oh, on dirait que mes cheveux sont lisses. Et en fait, c'est le froid. Je sais pas si vous aussi, mais moi, le froid, il aplatit mes cheveux. Mais bon, si on regarde bien, c'est bouclé. Hein. Ouais, vous voyez là. Mais de là, non. Regardez comment on toque chez moi, c'est grave ghetto. Apparemment, ma mère, elle a fait un gratin au saumon. Il est prêt. Oh, mais je suis choquée, mais à la mort qu'il est prêt. Ils l'ont bouffé, mais je suis trop bête. Mais il me reste que ça. Et moi, je partage mes chips à toute la famille. Et on me laisse ça. Trahison, trahison. Moi, j'ai pas mangé ça, j'aime pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas mangé. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, je suis choquée de la trahison. Franchement, c'est la big trahison. Bon, pendant que mon plat chauffe au micro-ondes, là, moi, je vous laisse. C'est la fin du week-end. C'est la fin du Wiki Vlog, j'espère que ça vous a plu. J'ai un peu une vie classique. Bon, je suis quand même allée au concert de Neige, c'était cool. Mais en gros, voilà quoi, petite vie d'une petite fille de 18 ans. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas trop blablater, je vous fais plein de gros bisous. Rejoignez moi sur Snap, Insta, TikTok, ils ont tous les mêmes noms. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo story time de ma prof, La Folle. Alors, activez les notifications. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck.